Je continue la vidéo, t'es avec Capitule. Non, il est pas normal. Ton frère l'a emmené prendre une marche sur Saint-Joseph à Québec. Du coup, je sais même pas que t'es à Québec pendant que je travaille de nuit. Donc, je vais parler d'intoxication. J'étais rendue ici, dont la listériose peut provoquer chez les femmes enceintes des symptômes similaires à ceux de la grippe. Fièvre, frisson, fatigue, maux de tête, douleurs musculaires ou articulaires, et parfois des nausées, des vomissements, des crampes, de la diarrhée ou de la constipation. Ces symptômes apparaissent généralement de 3 à 30 jours après avoir mangé des aliments contaminés, mais ils peuvent apparaître jusqu'à 70 jours après. Dans le cas de la toxoplasmose, la plupart des gens infectés n'ont aucun symptôme. Et quand il y en a, ils s'apparentent à ceux de la grippe ou de la mononucléose, courbatures, ganglions enflés, fatigue, maux de tête, fièvre et parfois des maux de gorge. Non.